sauver. Espote babi kisama. Nous verrons également que la grande, les vainqueurs de la bête, ce sont les gens qui vont résister jusqu'au sang pour disons en acceptant le Seigneur Jésus. Tomate balongi anyama bango bakotele makino na tuna na kondima makila pona koyamba Yesu Masia. D'accord. Suivez. Plus vous notez, plus vous ne suivrez pas. Deuxièmement, ce sont ces gens-là qui seront purifiés par le sang des fils de Dieu. À cause de leur foi. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons dit instantanément, vos péchés sont pardonnés. Vous êtes purifié de vos iniquités. Et c'est le sang de Jésus. Parce qu'on nous dit que ceux qui sont en communion avec Jésus, le sang de Jésus les purifie de leurs iniquités. C'est clair. Voilà donc les critères de Dieu, la définition de Dieu de racheter. Ce sont les gens qui acceptent celui qu'il a offert à la croix, son fils. C'était le salut que Dieu a offert à son fils. Oh, bandimaki lobiko par son fils. Ce sont ceux-là les rachetés. Ensuite, quand ils ont donné leur vie, le sang de Jésus, parce qu'ils sont maintenant en communion avec Jésus, le sang de Jésus les purifie de leurs iniquités. Dans quel but Dieu poursuit-il, Dieu veut-il qu'on constitue ces rachetés-là? C'est pour que ce que son fils va lui donner. C'est pour que ce que son fils va lui donner comme racheté puisse le faire entrer dans le règne éternel et universel. Il va leur faire entrer dans la dernière étape, c'est-à-dire il va arriver avec eux au bout de la course. Et nous avons dit, c'est dans le règne éternel et universel de Dieu que tous les rachetés vont entrer dans leur résidence. Cette résidence qui leur est réservée, c'est la nouvelle Jérusalem. Dieu a préparé cette nouvelle Jérusalem dès la fondation du monde. Et je vous ai déjà dit, pour confirmer ce que je suis en train de dire, Abraham avait vu cette cité céleste. Il avait vu, parce que nous avons dit qu'il attendait une cité qui a de solides fondements et dont l'Éternel est architecte et constructeur. Nous avions donné pour cela la référence de Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10. Que je viens de résumer en disant, Abraham se considérait comme un étranger sur la terre. Il se considérait comme un étranger, un voyageur. Quand quelqu'un est voyageur et pèlerin, il ne s'encombre pas des choses qu'il trouve sur la terre. Parce que c'est que je dois bientôt, je peux rentrer à tout moment. C'est que avec qui je vais le consommer. Donc il se considère comme un pèlerin sur la terre. Amen. Amen. Alors nous avons tous les autres patriarches. Papa n'a biso mususu. Qui recherchait la cité qui
disons, qui recherchait la nouvelle patrie, qui est cette patrie céleste. Il cherchait une patrie céleste. Comme Isaac. Comme Jacob. Il cherchait une nouvelle cité, une cité qui n'était pas sur la terre ici. La Bible nous dit que c'est pour cela que Dieu n'avait pas honte de les appeler, d'être considérés comme leur père. Parce qu'ils aspiraient vraiment à cette cité permanente. Moïse également nous dit, Moïse avait des yeux fixés sur la rémunération. C'est pour ça qu'il a rejeté toutes les offres de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'a pas regardé au trésor de l'Égypte comme ayant un prix. Il a préféré vivre dans l'opprobre dans lequel son peuple vivait aussi. Nous avons ensuite Paul qui nous dit que notre cité en nous est au ciel. Nous attendons cette cité permanente au ciel. Et Christ, quand il viendra, il va nous enlever le corps de la honte ici, la honte d'humiliation, et il va nous donner un corps qui nous permettra d'aller dans la notre cité permanente qui est au ciel. Et enfin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle aussi de la ville permanente. Nous n'avons pas une, sur la terre ici une cité permanente. Notre cité est au ciel. C'est donc cette cité-là que Dieu a préparée pour tous les rachetés. Vous voyez l'amour de Dieu. Nous, pécheurs de Massina ici, il avait déjà prévu que si nous acceptons son Fils, notre Seigneur est Sauveur, nous là, nous allons entrer dans cette cité permanente. Nous allons vivre avec lui. Amen. Amen. C'est ainsi que je vous ai dit que il a déjà préparé le ciel pour tout le monde. Mais malheureusement, il y a des gens qui rejettent cet appel du Seigneur. Amen. Donc je disais que le but que Dieu poursuit, c'est d'aller habiter avec tous ses rachetés dans un lieu qui les réserve comme leur héritage. C'est ça sa grande préoccupation. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il voudrait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes entrent. C'est ce que je vous disais autrefois. C'est comme si le Seigneur voudrait presser le citron jusqu'à ce qu'il prenne même le dernier jus. Les entrants librement, comme maintenant là nous y entrons librement. Les autres ils vont y entrer par des sacrifices. C'est pour ça que je conseille à quelqu'un de nous efforcer dès à présent d'entrer librement. Christ est déjà mort, il a déjà versé son sang. Christ aussi a couffa, nous n'avons plus besoin de verser notre sang. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous avons dit que ces trois rachetés, on va les retrouver dans trois époques. Si nous prenons l'histoire du rachat de l'homme, nous savons que Christ est venu. Il a donné sa vie pour racheter l'humanité
de l'esclavage du péché. C'était dans l'Ancien Testament. Il est venu pour clôturer l'Ancien Testament. Il a été tué, c'était la Pâque. Parce que la Pâque, c'était l'agneau, c'était la préfiguration de l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié. Non plus pour la sortie d'Israël et de l'Égypte, mais pour que toute l'humanité soit libérée de l'emprise de la servitude du péché. Donc c'était au tout début de l'histoire de Racha. Comme je l'ai dit, l'ancienne alliance. Non seulement avec Israël, mais avec les patriarches. Parce que le salut a commencé avec Abraham. Amen. Il dit il avait cru en Dieu et Dieu l'imputa à justice. L'autre Dieu le déclara juste. J'espère que vous me suivez. Je reprends autrement ce que nous avons vu déjà. Ça va? En ajoutant un peu quelque chose en rapport avec l'héritage, parce que c'était un enseignement commun. Et puis, vous avez l'avantage de voir ce que j'ai préparé au tableau. Alors, nous avons maintenant la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui correspond au temps de l'Église. Le temps compris entre la création de l'Église à la Pentecôte et la fin de l'Église à l'enlèvement. C'est clair. Depuis que Christ est mort, la nouvelle alliance a commencé. L'Église a été créée. Nous sommes dans ce temps-là. Jusqu'à ce que Christ, l'histoire de l'Église sur la terre termine. Alors il vient prendre les croyants qui seront prêts. L'histoire de l'Église aussi est terminée. C'est clair. C'est ça on a déjà dit. C'est donc à la Pentecôte. Na Pentecôte. Il y a création de l'Église. À l'enlèvement. Ce sera la fin de l'histoire de l'Église. Donc nous ne devons pas nous comporter comme si nous allons rester sur la terre ici avec l'Église. Non. Nous devons nous préparer sachant que nous allons quitter un jour la terre pour aller au ciel. C'est très important. Amen. J'avais dit à un papa, tu n'as pas d'enfant avec ta femme. Tu n'as pas d'enfant avec ta femme. Tu n'as pas d'enfant avec ta femme. Vous avez n'abandonné pas le monde à moi sinon je n'entends pas bien. Tu cherches les enfants. Vous allez colucabana. Est-ce que tu as déjà remercié Dieu parce que tu n'as pas d'enfant? Yo si la koto nzambe pour vous avez n'abandonné. Dis ça je ne peux pas faire. Eh bien gars la quoi ça la wanate. Donc pour lui absolument les enfants même quand Dieu est déjà bloqué, vous êtes sûr que Dieu a bloqué? On a eu avec des ambassades au Kanga. Et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu divorce. Oui, les gars qui, bakabona qui n'a dit pas là-bas. Pour donc quelqu'un dans le Seigneur qui sait que ne peut pas y avoir divorce, il va divorcer parce qu'il sait absolument ce que il laisse la postérité sur la terre. Mais si Dieu vous bloque, vous allez faire quoi? Hier, on était singulier qui a bloqué dans la mauvaise zone à Kanga au Kosalani. Je lui ai même dit est-ce que tu ne peux pas prendre les enfants adoptifs? Eh bien, tu as eu qu'aux autres banons d'y avoir beaucoup là. Ça, je ne peux pas faire. Or, prendre soin des orphelins, c'est ce que Dieu nous demande, non? La religion pure et sans tâche. La religion pure et sans tâche, c'est de visiter les bébés et les orphelins dans leur affliction. Nous devons, étant sur la terre, vivre tous les principes qui vont nous amener la bénédiction là où nous allons. Sachons que le travail que tu as ici, pour lequel tu fuis l'Église, sera terminé un jour. Sache que les enfants là,
y en a qui peuvent vous faire rater l'enlèvement. Vrai ou faux? Ta femme là, moi si wana, ton mari là, mobali na wana, depuis que tu es marié, tu ne viens plus à l'église. Mais ça peut être une occasion de chute. Donc, yo tigaliga kapo biyamba yamba basumukisiyo oyambi basumukisiyo oyambi, c'est ça. Donc tout a une fin. Et nous avons à la toute fin, na suka, lors de la tribulation, Nathan et le Kabapasi, ce sera la période que nous appelons la dernière génération d'Israël ou en Israël. En Israël ou d'Israël, ça me dit. Ce sera la période la plus noire. Car quand l'église sera enlevée, Dieu va faire tomber tous les jugements sur ceux qui n'avaient pas accepté son fils. Pendant ce temps, nous serons cachés dans la maison de notre père, comme Lot était caché où ça? Dans la ville de Tsoar. Est-ce que c'est clair? Donc Jésus va aller dans les trois époques. Jésus va aller dans les trois époques pour prendre chaque fois les racheter. Parce qu'il veut vraiment que la maison du Père soit remplie. Amen. Amen. Donc au début, nous avons essayé de parler de pour bien comprendre ces époques. Nous avons montré que Dieu avait donné un calendrier agricole qui correspondait aussi aux fêtes religieuses sur toute l'année. Nous avons dit qu'au début de l'année, dans le calendrier juif, on immolait la Pâque. D'accord? Amen. On fêtait la Pâque. Quand ça, dans la saison de printemps, qui correspond avec le début de l'année en Israël, qui correspond avec notre mois de mars et d'avril. J'ai dit que là, on offrait l'orge, on moissonnait l'orge, et on devait amener les prémices et dans la maison de Dieu à Jérusalem à la Pâque. Amen. Ça, c'était au début de l'année. Pendant l'année, au milieu de l'année, c'était le blé qui correspondait en fait à la fête de la Pentecôte. Vers le mois de juin-juillet. Par mois de juin-juillet à peu près. C'est à ce moment-là qu'on récoltait le blé. On allait au temple de Jérusalem pour aller offrir des prémices. Ça, c'était au milieu de l'année. À la fin de l'année, c'était tous les autres produits, comme les olives, comme les dates, comme d'autres encore, mais qui demandaient beaucoup plus de temps pour être moissonnés. J'ai toujours donné l'exemple des maïs que nous mangeons en décembre. Les pistaches que nous mangeons vers le mois de mai-juin et les mbala sukali que nous allons récolter vers la fin de l'année. Et Dieu a un calendrier. Ceux qui respectent le calendrier de Dieu, même en faisant l'agriculture, il justifie Dieu. Parce que Dieu a fait ça pour que nous ne puissions pas épuiser la terre. Et que nous puissions aussi profiter des produits
qui doivent mourir dans peu de temps, qui doivent mourir dans autant de temps et qui doivent mourir dans une plus longue. Donc vous voyez, nous avons dit au début de l'année, c'est la Pâque. Au milieu de l'année, c'est la Pentecôte. Et à la fin de l'année, c'est la fête des tabernacles. Me souviens jusque-là, c'est une répétition de ce qu'on a vu la fois passée. Je voulais passer au nouvel enseignement, et je voudrais quand même systématiser ça. On verra quand j'aurai terminé, ceux qui le désirent vont voir les diapositives. C'est beaucoup de diapositives. Alors, nous avons vu les critères que Dieu, que le Seigneur Jésus applique pour la constitution des rachetés. Nous avons dit qu'il y a quatre critères. Le premier critère, comme je l'ai expliqué, c'était la fidélité, doublée de la notion de consécration et de la notion d'intimité. C'était ensuite la loi de semailles et de la moisson qui contient en elle-même le principe des prémices. Donc la loi de la semailles et de la moisson. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi on ne dit pas la loi de la semence? Non, on ne dit pas la loi de la semence. La semence, c'est le grain qu'on jette à terre. Mais l'action de semer, c'est ce qu'on appelle semaille. Donc, nous avons vu aussi qu'il y a un autre critère. Ce sont les instructions que Dieu a données sur le calendrier juif, le calendrier agricole que Dieu a donné aux enfants d'Israël qui allaient bientôt entrer en Égypte. Ezali bamalako okola pesaki na manaka ya bilanga pona bato na Yerusalemu esengaki bakota. Il y a les principes là qui ont été exploités, comme nous l'avons déjà vu d'ailleurs pour la constitution de le prélèvement des rachetés dans différentes époques. Ezaba malako te pesaki lolenge kani bakozwa basiko la mina bileko nyonso. Et le dernier critère, beli kambo ya suka, c'est l'apôtre Paul qui a appliqué les principes contenus dans la loi de semailles et de la moisson. Donc il a appliqué ces principes-là pour nous donner ce que nous allons vous rappeler tout à l'heure. Donc quatre critères. La fidélité associée à la notion de consécration, à la notion d'intimité. Nous avons vu que Dieu a fait aussi appliquer la loi de semailles et de la moisson, avec particulièrement le principe des prémices. Et il a appliqué aussi la révélation que Paul a reçue, les instructions que Dieu a donné en rapport avec le calendrier agricole, harmonisé avec le calendrier religieux. C'est ce que nous avons vu. Il y a trois saisons, trois moissons, trois grandes fêtes annuelles. Qui sont lesquelles? La Pâque, Pasika, la Pentecôte et la fête du tabernacle. Voilà, merci. Et Paul a pris les principes de la moisson qui sont dans la loi de la moisson. Il les a appliqués. Il va nous sortir des choses qui sont applicables dans la résurrection des morts. Et Paul a celle qui m'obéco et colonne peu à Kobuka ou que l'andissa dans les Cambodgiens lycée quoi. Je suis trop rapide. Je peux continuer avec ce rythme-là. C'est une révision, on a déjà vu ça, non? Si c'est comme on est en haut. Nous avons dit que la fidélité. Alors, je n'ai pas bien présenté. Il fallait que je présente un à un. Parce que je ne veux pas que vous vous mettiez à copier, là. Alors, la fidélité, nous avons dit
l'exactitude à accomplir ses engagements. Celui qui accomplit exactement les engagements tels qu'il les a pris. Vous avez emprunté l'argent, c'est un exemple. Je t'ai dit à la première paye, je viens rembourser. Celui qui a la promptitude à accomplir ses engagements, il va à la première paye rembourser. Mais il ne va pas multiplier des justifications. Comme nous le voyons. Quand on n'a pas encore payé, la personne dit, on ne nous a pas encore payé. Mais quand on a déjà payé, il disparaît, il ne parle même plus. C'est un infidèle. Il faut respecter les engagements qu'on a pris. Et nous, le Christ, nous avons pris quel engagement? Le Seigneur nous a dit, je viendrai vous prendre. Que je trouve la foi sur la terre. S'il trouve la foi sur la terre, une foi constante, eh bien, il nous prend, il est fidèle. Nous avons ajouté deux autres critères, deux autres notions. Nous avons parlé de la consécration. La consécration, nous avons dit, si je peux prendre l'expression de Pape Percy, c'est aller broyer sa volonté pour que c'est la volonté du Seigneur s'accomplisse. Tu broies ta volonté. Comme le Seigneur Jésus avait broyé sa volonté. Non pas ce que moi je veux, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite. Il y en a plusieurs qui tombent là-dedans. Tu as demandé d'appliquer la volonté de Dieu. Quand les circonstances changent, tu commences à renier notre propre engagement. La consécration, je l'ai dit aussi, c'est le fait d'employer son temps, d'employer sa personne, d'employer son argent, d'employer même sa famille seulement pour la cause du Seigneur. Remettez-moi le dongel, s'il vous plaît. Comme remettre le dongel, c'est plus ce que je cherche. Amen. Amen. Donc, totale soumission à la volonté de Dieu, c'est ça la consécration. Un jour, je suis rentré à la maison. Je voulais me reposer. Mais tout de suite, on me dit non, il y a une famille qui a un problème grave là-bas. Bien-aimé, je me suis levé. Je suis parti. Ça m'a pris beaucoup de temps au soir. Je n'avais même pas mangé. J'ai compris ce que le Seigneur disait. J'ai pour nourriture de faire quoi? De faire la volonté de mon Père. D'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est ça la consécration. Tandis que, oh là là, l'autre a sauté. Tandis que l'intimité. L'intimité. C'est la grande proximité qu'on a avec le Seigneur. On est trop proche du Seigneur. Tu connais tout du Seigneur. Le Seigneur connaît tout de toi. Comme David qui disait, si tu m'éprouvais même la nuit, si tu m'éprouvais même la nuit, tu verrais que ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui vient de mon cœur. Il est plus près du Seigneur. Il n'est pas menteur. Il est sincère. Il ne cache rien au Seigneur. Il est tout près. Il connaît le besoin du Seigneur. Et le Seigneur va commencer à l'utiliser. Est-ce que c'est clair? Ah, là, j'ai commis l'erreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Bon, on va quand même y aller. Je vais arranger ça après. Alors, nous avons vu la loi des semailles et de la moisson. Je ne voulais pas présenter comme ça parce que les gens vont commencer à se perdre.
Donc nous avons dit que tant qu'il y a la saison sèche et la saison de pluie, celui qui sème doit faire quoi? Doit récolter. To baketa onyonso elanga tombule kozala moto ze kolone sengele abuka. Deuxièmement, Yabibale. Quand la moisson est prête, dango elanga koli. Qu'est-ce qu'on doit prendre en premier lieu? Nini bakozwa na mbala yambo? Qu'est-ce qu'on doit prendre en premier lieu? Les prémices pour qui? Bambou mayambo. Pour qui? Bona nani? Pour qui? Bona nani? Les prémices pour l'Éternel. Bambou mayambo pour la colo. Quand tu payes la dîme, la dîme là n'appartient pas au pasteur. La dîme appartient à Dieu. Mais il a défini aussi les règles pour la consommer. Est-ce que c'est clair? Les prémices, on les enlève avant toute chose. C'est ce que j'ai toujours dit, dès que vous avez votre salaire, première opération, tu pries, tu remercies Dieu. Deuxième opération, tu prélèves la dîme. Amen. Amen. Et le reste, tu vas utiliser aussi sans oublier Dieu. Tu ne vas pas oublier Dieu quand tu vas demander les offrandes. Oublier Dieu quand tu vas demander la collecte particulière. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Donc, quand on a prélevé les prémices, le reste du champ peut alors être récolté parce que Dieu a créé les prémices. Dieu a créé les prémices. Dès qu'on les lui présente, dès que le souverain sacrificateur présente les prémices, ton champ est agréé. Tu peux prendre et te réjouir comme tu veux. D'accord. Troisième principe qu'on a élevé là-bas. Quand vous ramassez, quand vous moissonnez, les épis qui tombent, tu dois faire quoi? Tu dois les ramasser. Non, tu laisses. Pour des ramasseurs qui viendront. Des ramasseurs composés de pauvres et des orphelins et des veuves. Tu dois aussi laisser un coin de ton champ pour que ces pauvres-là viennent un jour glaner aussi. Voilà les trois étapes de... Oh là là, ça s'est abîmé alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'excuse, je dois absolument reprendre autrement parce que ça m'embête que je puisse présenter de cette manière-là. Alors, nous avons dit qu'il y a trois étapes. Premièrement, on prélève quand la moisson est déjà mûre. Tu vas prélever un échantillon. Tu présentes à Dieu. Tu prends comment vous appelez les bottes de matembele. Tu viens avec ça à l'église. Tu as des avocats chez toi, tu prends un panier d'avocats, tu viens avec ça à l'église. Tu as des mangues, tu prends que les mangues, tu viens avec ça à l'église. Le reste là, c'est à toi, fais-en ce que tu veux. Amen. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui tombe pendant que tu ramasses là, dites, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir manger. C'est Dieu qui a fait tomber ça pour qu'on laisse aussi aux autres. Je dois corriger quelque chose parce que je vois que la présentation me pose des petits problèmes. Je devais corriger. Excusez-moi que je puisse interrompre la présentation parce que ce n'est pas gay. Il y en a qui veulent tout copier. Ça ne va pas. Bon, ok, on continue comme ça. Il n'y a pas de problème. Je vais corriger ça la prochaine fois. Amen. Donc nous avons trois étapes, donc comme je l'ai dit, le prélèvement des prémices pour l'Éternel. J'ai donné la référence de Lévitique 23, 10 à 11. Ce qui réglemente la moisson, c'est Lévitique 23, 40. Quand tu as récolté ton champ, tu dois te réjouir, tu dois manger, boire.
Tu te reposes, n'est-ce pas? Alors, comme tu te reposes, tu dis, je ne veux plus travailler pendant quelques jours, et bien tu te réjouis. Tu prends un repos bien mérité. Amen. Amen. Alors, ceux qui tombent, ils laissent. C'est exactement le même schéma que Christ va utiliser aussi. Christ vient d'abord prélever les prémices. Pour qui? Pour son père. Il va à la première époque, à Samaria, il prend plusieurs saints de l'Ancien Testament. Il va les présenter chez son père comme prémices. Les autres, il viendra les prendre quand il voudra. Au temps convenable pour lui. Au temps marqué pour lui. Ça peut faire longtemps. C'est comme ce que je vous ai dit. Depuis que Christ est parti. Ça fait plus de 2000 ans. Il avait prélevé les prémices. Il avait amené. On dit plusieurs saints de l'Ancien Testament. Maintenant, il y a d'autres saints de l'Ancien Testament qui sont encore là au ciel. Qui n'ont pas encore un corps glorifié. Parce que quand Christ ressuscite quelqu'un, il lui donne un corps glorifié. Un corps glorifié comme le sien. Amen. Amen. Donc il avait pris les prémices. Il leur avait donné un corps glorifié. Il est allé le présenter à son père. Les autres sont là jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes enlevés aujourd'hui, il faut maintenant compter plus ou moins. Pendant la période de 7 ans, qu'ils vont aussi ressusciter. Si nous sommes enlevés, et que d'autres restent encore, parce que pour le Nouveau Testament, ce sera la même chose. Nous avons dit que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Seulement ceux qui ont une grande fidélité, ceux qui ont une grande consécration et ceux qui ont une grande intimité. Ceux qui vont rester, bien, au milieu de la tribulation, pendant la tribulation, ou à la fin de la tribulation. Vous comprenez, nous avons hâte à nous préparer pour que nous soyons enlevés maintenant là, si Christ venait.